L'île de Pâques, un petit bout de terre d'à peine 160 km² où se trouvent près de 900 statues énigmatiques, les Moai. Isolée du reste du monde, au beau milieu du Pacifique, l'île est parsemée de ces colosses de pierre qui peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes et mesurer plus de 10 mètres de hauteur. Ces statues ont été sculptées par les Rapa Nui, un peuple de navigateurs polynésiens qui ont colonisé l'île il y a plus de 8 siècles. Ils ont déployé une volonté d'acier. Ces gens ont voulu marquer leur espace. Depuis des dizaines d'années, archéologues et historiens tentent de percer les mystères de ces Moai et découvrir comment et pourquoi ils ont été construits. Personne d'autre dans toute l'Océanie n'a sculpté des Moai. Seuls les Rapa Nui l'ont fait. Grâce à des reconstitutions en images de synthèse, aux plus grands experts des Rapa Nui et à des accès aux sites de fouilles les plus reculés de l'île de Pâques, vous allez découvrir comment ces bâtisseurs du Pacifique sont parvenus à extraire des flancs d'un volcan, des statues aux visages étranges, d'une finesse exceptionnelle. Ce sont des experts, des géologues. C'était les maîtres de la pierre. Vous allez comprendre les trésors d'ingéniosité qu'ont dû développer les Rapa Nui pour transporter ces méga-statues sur des dizaines de kilomètres et les redresser le long des côtes. Ces gens ont transporté les statues en préforme pour alléger le poids et toute la finition de l'entièreté de la statue se faisait sur place. Mais le génie des Rapa Nui est allé bien au-delà de la sculpture des Moai. Grâce à 300 carrières de pierre réparties sur toute la surface de l'île, ils ont réussi à construire des lieux de culte, plus de 1000 maisons et même un site hydraulique hors du commun. Ce bassin était très spécial. C'est à partir de là qu'ils commencent à contrôler le parcours de l'eau. Ceux qui construisaient les maisons étaient les professionnels. C'était leur métier et ils y consacraient leur vie. C'était de véritables experts. Voici l'histoire des bâtisseurs de l'île de Pâques, qui ont réussi à dompter la pierre pour créer un paysage sans équivalent sur la planète. En plein océan Pacifique, à près de 15 000 km de l'Europe et à 3 500 km à l'ouest des côtes chiliennes, l'île de Pâques est l'un des lieux les plus isolés de la planète. Ce minuscule territoire perdu au milieu de l'océan s'étend sur une superficie qui équivaut à peine deux fois celle de la ville de Paris. Malgré leur isolement, ces terres volcaniques abritent des constructions uniques au monde, des vestiges d'habitations, des hôtels cérémoniels et des statues énigmatiques qui semblent veiller sur l'île. Mais comment les Rapa Nui, ce peuple d'explorateurs, a-t-il fait pour découvrir ce morceau de terre au milieu du Pacifique? Les Polynésiens partaient réellement en exploration. Ils n'ont pas trouvé ces îles par hasard. Bien sûr, ils ne les connaissaient pas à l'avance, ils ne savaient pas où elles se trouvaient. Mais ils montaient de véritables expéditions pour trouver des îles. Nous savons que des rats ont été introduits ici depuis les îles australes. Nous savons que le mûrier à papier a été introduit ici depuis les îles Marquises. Nous savons que la langue la plus proche de la langue Rapa Nui est la langue parlée à Mangareva. D'où viennent-ils exactement? De partout. Ils venaient de Polynésie, c'est la seule chose dont nous sommes sûrs. De discrets dessins sculptés à même la pierre témoignent de quels moyens ils ont bravé le plus vaste océan de la planète. Leurs bateaux ressemblaient à des canoës doubles. Les embarcations étaient formées de deux coques sculptées dans des troncs d'arbres et surmontées par des voiles. Polynésie française, Hawaï ou encore Nouvelle-Zélande, quel que soit leur point de départ, ces navigateurs polynésiens sont arrivés sur l'île de Pâques autour des années 1200, après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers le Pacifique. En l'espace de 500 ans, les Rapa Nui développent une civilisation singulière, avec une architecture originale et des sculptures monumentales sans égale. L'île renferme près de 900 Moai,
ces statues géantes connues à travers le monde entier. Si certaines ont été redressées, la majorité d'entre elles gît aujourd'hui au sol, au pied des Aou, ces plateformes imposantes au centre des cultes Rapa Nui. Au total, l'île concentre près de 300 Aou, en majorité situés le long des côtes. À première vue, ces structures étranges ressemblent à des ruines. Mais elles s'avèrent avoir un rôle sacré dans la culture Rapa Nui, car sous ces amas de pierres se cachent des autels cérémoniels. Toutes les cérémonies qui ont eu lieu près des Aou sont liées aux ancêtres. C'est une communion entre les esprits et les vivants. C'est pourquoi la majorité écrasante des Aou est située sur cette frontière entre le monde des vivants, représenté par l'île, et le monde des esprits, incarné par la mer. Ces Aou sont de différents types. Il y a des Aou, des petits Aou semi-pyramidaux, il y a des petits Aou rectangulaires, qu'on appelle souvent Poé Poé. Et puis, il y a évidemment les fameux monuments, ceux qui ont fait la célébrité de l'île Pa, qui sont les Aou Moai, ceux qui supportent les statues. Il y en a des petits, des grands, il y a aussi là toute une typologie, mais c'est évidemment les plus célèbres. Mais là, il y en a nettement moins, bien entendu. Les Aou sont considérés comme des monuments à part entière. Mais certains de ces autels accueillaient initialement des Moai. Ces statues monumentales et énigmatiques, aujourd'hui couchées, se dressaient autrefois sur près d'un tiers des Aou de l'île. Ces géants taillés dans la pierre mesurent entre 1 et 5 mètres de haut et pèsent près de 14 tonnes en moyenne. Pour supporter le poids de ces colosses, les Aou devaient donc être conçus méticuleusement. Une tranchée était généralement creusée pour accueillir un socle de pierre horizontale. Sur ces fondations, d'énormes dalles de basalte, taillées ou non, étaient ensuite assemblées de manière à construire le mur arrière de l'Aou. Ce mur très imposant assurait la stabilité de la plateforme. L'Aou Taira possède l'un des murs arrière les plus impressionnants de l'île. Haut de 2 mètres, il est composé d'immenses dalles de plusieurs tonnes, taillées et assemblées à la perfection. Le côté très impressionnant de l'Aou Taira, c'est évidemment que ces dalles non seulement sont taillées, ce qui n'est pas la chose la plus banale du monde, mais ces dalles sont parfaitement ajustées au millimètre près. Et là où il y avait une irrégularité dans la dalle et qu'il y avait une petite lacune, ils ont resculpté le petit élément qui manquait, parfaitement ajusté pour bloquer le trou. Donc c'est vraiment un travail d'une très grande finesse. Une fois ce mur arrière dressé, les Rapa Nui devaient édifier la façade avant. Les dalles y étaient beaucoup plus modestes. L'ensemble formait une plateforme rectangulaire. Devant cet hôtel, une rampe composée de gros galets de plage était édifiée jusqu'à la base du monument. L'intérieur de la structure était rempli d'un mélange de terre et de végétaux dont l'unique but était de solidifier l'ensemble. Le sommet était ensuite refermé au moyen de dalles et de galets. Un seul ou plusieurs moai pouvaient alors enfin être érigés au sommet de l'autel. Aujourd'hui, la plupart des statues reposent en position couchée, à côté des Aou. Mais certains autels ont été restaurés et les statues redressées pour dévoiler au public leur visage d'antan. L'un des plus impressionnants se situe à l'extrémité est de l'île. Cet Aou spectaculaire se déploie sur 200 mètres de long, soit l'équivalent d'un immeuble de 74 étages couché au sol. 15 statues se dressent fièrement sur cette plateforme. La plus imposante mesure près de 9 mètres de haut
et pèse 60 tonnes, soit l'équivalent du poids de 9 éléphants. Les Moai ont une morphologie étonnante. Leur longue tête représente presque la moitié de leur taille totale. Leurs bras descendent le long du corps et se rejoignent avec les mains sur le ventre. Le haut de leur tête est plat, leur nez long et leur menton pointu. Leurs fines lèvres pincées leur donnent un petit air parfois sévère. Faisant dos à la mer et face à la terre, ils semblent veiller sur l'île. Le Moai représente un ancêtre spécifique. Il représente une personne précise, un chef. C'est une façon de le faire revivre. En chaque Moai se manifeste uniquement la présence de cet ancêtre bien précis. En tout, l'île dispose de 887 Moai. La quasi-totalité de ces statues sont taillées dans du tuf, une roche volcanique issue d'une seule et même carrière. À l'est de l'île se trouve le Ranuraraku. Ce volcan transformé en carrière de tuf est le berceau des célèbres Moai. Aujourd'hui, le Ranuraraku est l'un des sites les plus spectaculaires de l'île. Sur ses flancs, plusieurs dizaines de statues semblent accueillir les visiteurs. La majorité sont dressées et partiellement enterrées. Au Ranuraraku, la grande majorité des statues est telle qu'elles étaient il y a 300 ou 400 ans. Certaines sont complètement enterrées. Pour d'autres, on ne voit qu'une partie de la tête ou bien qu'une partie du corps. Mais dans l'ensemble, celles qu'on voit debout, c'est parce qu'elles ont été enfouies. C'était complètement volontaire de les enterrer. Un peu plus haut sur les flancs du volcan, le spectacle se poursuit. Plusieurs ébauches de statues gigantesques, parfois à peine dégrossies, sont toujours accolées à la roche. Toutes les statues ont été sculptées à partir de ce tuf. Une roche qui n'a pas été choisie au hasard par les Rapa Nui. Les tufs produits par les éruptions d'un volcan se forment quand une grande quantité de matière, de cendres et de morceaux de pierre s'agrègent. Par la suite, se refroidissent et se consolident. Donc, c'est des matières agglomérées, ce qui donne une pierre tendre, facile à sculpter, à la différence des basaltes qui sont très durs. La roche présente dans ce volcan était donc parfaitement adaptée pour la taille des statues. Mais pas seulement. Des archéologues ont récemment analysé les sols à l'intérieur même de la carrière. Près du lac qui occupe le cratère du volcan, ils ont découvert des restes de plantations de bananes, de patates douces ou encore de taro. Il semble que les Rapa Nui aient utilisé l'intérieur comme un grand jardin où ils cultivaient des arbres qui fournissaient du tissu, de la corde et de la nourriture. Pour les sculpteurs et leurs familles ou bien pour d'autres personnes, on ne sait pas encore précisément. Les Rapa Nui connaissaient parfaitement leur environnement et tiraient donc profit de tout ce qu'il avait à leur offrir. Ces plantations qui recouvraient autrefois les sols ont aujourd'hui disparu. Mais la pierre a quant à elle conservé les traces du travail des sculpteurs Rapa Nui. À l'intérieur de la carrière de tuf, les Moai sont de toute taille et dans différents états d'avancement. La plupart des archéologues pensent que les statues étaient entièrement sculptées sur le site de la carrière, à même la roche.
Une fois la face avant de la statue terminée, la roche était grossièrement taillée jusqu'à ce qu'elle ne repose plus que sur une quille. Puis les sculpteurs venaient ajouter un matelas de terre avant de rompre cette quille. Une fosse était alors creusée de manière à redresser la statue, permettant ainsi au sculpteur de terminer le dos. Aujourd'hui, une autre hypothèse est avancée pour expliquer la méthode de taille des statues. Pour certains archéologues, il semble étonnant que les Rapa Nui aient totalement sculpté les Moai, avant même de savoir s'ils pouvaient les extraire de leur socle rocheux. Dans les parois de la carrière, des marques en forme de parallélépipèdes suggèrent que ce seraient plutôt des blocs, et non des statues terminées, qui auraient été extraits du volcan. Enfin, des indices trouvés dans les Aou laissent à penser que les statues étaient finalisées après leur transport, à leur arrivée sur leur plateforme. Dans les différents Aou que j'ai eu l'occasion d'explorer ici, j'ai exploré 3 sites, hein, ce n'est par rapport à tous ceux qui existent, ce n'est une très faible proportion, mais j'ai systématiquement découvert à chaque étape de construction, parce qu'à chaque fois plusieurs constructions superposées, à chaque étape j'ai trouvé devant les Aou une couche de tuf. Pas suffisamment importante que pour penser qu'ils ont transporté un bloc rectangulaire, qu'ils ont entièrement sculpté la statue sur place. Mais je pense qu'on peut émettre l'hypothèse que ces gens ont transporté des statues, des blocs, mais déjà en préforme pour alléger le poids, pour diminuer la difficulté du transport, et que toute la finition de l'entièreté de la statue se faisait sur place. Aujourd'hui, les hypothèses divergent sur l'état précis d'avancement des statues à leur sortie de ce volcan carrière. Une chose est certaine, les Rapa Nui ont ensuite dû relever un autre défi. Depuis le Ranuraraku, ils devaient acheminer leurs statues jusqu'aux différents Aou, parfois situés à l'autre bout de l'île, à 15 km à vol d'oiseau. Par quels moyens ont-ils pu transporter ces statues qui pouvaient atteindre plusieurs dizaines de tonnes? Selon la tradition Rapa Nui, une énergie surnaturelle aurait permis aux Moai de se déplacer par eux-mêmes, en marchant. Une légende poétique, mais peu satisfaisante. Pour coller au mythe, des scientifiques ont néanmoins réussi à les faire avancer en les faisant basculer grâce à des cordes. Une autre expérience a consisté à déplacer un Moai calé sur un traîneau roulant sur des rondins de bois. Ces deux méthodes fonctionnent, mais présentent une limite de taille. Déplacer une statue en position verticale sur un terrain plat, plat et compact, est déjà un défi. Mais le faire en montant et descendant des collines, c'est juste impossible. Il y a eu des expériences qui ont été menées avec des statues couchées, bien entendu, ce qui est d'une plus grande logique. Ça paraît évidemment beaucoup plus simple. Plus le point de gravité d'un objet lourd à transporter est bas, plus la solution va être simple. D'autres techniques ont été expérimentées sur des terrains vallonnés, cette fois-ci en transportant les statues à l'horizontale. Un système de levier en bois fait basculer puis avancer la statue attachée au moyen de cordes. Un autre permet de positionner la statue sur un cadre en bois en forme de V, puis de la faire avancer sur un système de traîneaux tractés sur des rails en rondins. Il est plus probable que ces deux méthodes aient été utilisées par les Rapa Nui. La question du transport des statues n'a pas encore pu être totalement élucidée à ce jour. Mais quelle que soit la technique employée, une fois arrivé au pied de l'Aou, encore fallait-il redresser ces géants sur leur autel. Des archéologues ont testé une méthode décrite par des descendants des Rapa Nui. Grâce à deux grands leviers en bois, la statue est soulevée à l'avant, puis à l'arrière, afin de glisser progressivement des pierres en dessous. Ce lent travail de bascule est répété jusqu'à ce que le Moai arrive à hauteur de son socle. «
Puis le travail continue du côté extérieur uniquement, afin de le redresser lentement, jusqu'à atteindre un angle de 45 degrés. À ce moment, des cordes sont passées autour de son cou et de sa tête pour le redresser petit à petit, en continuant de glisser des pierres sous son corps. Lorsque le moai est entièrement debout, la rampe de pierre peut être retirée. Ce genre de technique prend un certain temps, mais pas non plus des mois. C'est une affaire peut-être de 2 ou 3 semaines, mais elle a plusieurs utilités. D'abord, elle correspond aux possibilités techniques. Il n'y a pas d'engin de levage à l'époque, donc ça permet de compenser cela. Ça permet aussi de travailler suffisamment lentement que pour ne pas brusquer le tuf qui peut à tout moment se fendre. C'est une matière très peu consolidée, c'est simplement de la cendre volcanique comprimée. Donc il y a tout un travail qui correspond bien et aux nécessités techniques et aux besoins de protection des pièces à déplacer. Une fois le moai redressé sur la houe, les Rapa Nui n'avaient pas tout à fait fini leur travail. Il leur restait certains détails à ajouter pour les rendre dignes de leurs ancêtres. Ainsi, les Rapa Nui décoraient la plupart des colosses au moyen de pétroglyphes, des dessins sculptés à même la pierre et semblables à des tatouages. Tous les pétroglyphes que l'on voit sur les statues sont des décorations. C'est une étape qui est ajoutée une fois la statue finie ou déplacée, ou après avoir rempli son but rituel. Tous les symboles gravés n'ont pas encore révélé leur signification. Sur certains moai, les Rapa Nui ajoutaient également un pukao, une sorte de coiffe rouge, au sommet de leur tête. Ce pukao était taillé dans de la scorie rouge, une roche uniquement présente dans un volcan au sud de l'île. Les anciens Rapa Nui n'avaient pas de chapeau de ce type. Mais les premiers visiteurs européens ont vu des gens avec des cheveux longs attachés sur le dessus de la tête et d'autres avec des cheveux rouges, sans aucun doute teints en rouge avec de l'ocre, une sorte d'argile qu'on trouve ici. Donc, c'est cette coiffure que très probablement le pukao représente. Pour redonner vie aux figures des défunts, un élément crucial manque encore, leurs yeux. Lors de la restauration d'un haou, les scientifiques ont retrouvé un œil presque intact. L'objet est aujourd'hui conservé au musée archéologique de Lille. Voici l'œil d'une statue. Laringa aura, l'œil vivant. Ici, nous avons un bel iris cassé sur le dessus, mais si je prends la pupille, elle s'emboîte parfaitement. Donc, voilà Laringa ora ata tepuna, les yeux vivants des ancêtres. Le corail à l'extérieur est utilisé pour faire l'iris. À l'intérieur, nous avons de la scorie rouge, qui est une roche très riche en fer et en magnésium, qui s'oxyde au fil du temps pour donner cet aspect vraiment rouge. Avec ses yeux blancs et rouges, les moai nous observent en permanence. Donc le moai te regarde. Tournant le dos à la mer et regardant vers les terres, ses ancêtres symboliques portaient leur regard vers les jeunes générations. Les moai pouvaient alors transmettre leur énergie et leur puissance sacrée. On ignore aujourd'hui l'identité précise de ces ancêtres. Les archéologues savent en revanche qu'ils appartenaient à l'élite Rapa Nui, une élite qui régissait alors la vie de ce peuple de bâtisseurs. Longue de 23 km sur 12 km de large, soit à peine 2 fois plus grande que la ville de Paris, l'île de Pâques possède des centaines de vestiges d'habitations sur la côte et à l'intérieur des terres. Lorsque les premiers Européens découvrent l'île au XVIIIe siècle, ils évaluent la population entre 3 000 et 4 000 habitants. Mais aujourd'hui, cette estimation est remise en question.
L'une des grandes questions encore discutées aujourd'hui en archéologie est de savoir combien de gens vivaient ici. Quelle était la population maximale? Certains des premiers Européens parlent de 3000 personnes dans certaines régions de l'île. Et ça ne comprend pas l'intérieur des terres, ça ne comprend pas les bateaux qui étaient éventuellement partis loin de l'île à ce moment-là. Des recherches universitaires plus récentes parlent de 20 000 personnes sur cette île. Si des doutes persistent quant à la taille exacte de la population Rapa Nui, les archéologues disposent en revanche de plus d'informations concernant la manière dont ils construisaient leurs maisons. Sur la côte est de l'île, l'ancien village de Te Peu abrite parmi les plus impressionnants vestiges d'habitation Rapa Nui. L'un des points clés qu'on trouve à Te Peu et dans d'autres régions de l'île, ce sont les arepaenga, ou les maisons en forme de bateau. Elles portent nom parce qu'elles ont la forme d'un bateau. Et elles sont de forme ovale, circulaire. Elles sont très belles. Sur le site, des pierres partiellement enterrées dévoilent les fondations de ces maisons ovales très originales. Les arepaenga, typiques de l'architecture Rapa Nui. Les paenga désignent ces énormes blocs rectangulaires d'un mètre de long et de 30 cm de large en moyenne. Percés de trous, ces pierres délimitent les contours des anciennes habitations Rapa Nui. Les maisons mesuraient en moyenne 10 mètres de long. Elles étaient formées d'une partie supérieure haute de moins d'1,50 m, aujourd'hui disparue. Mais les récits des explorateurs européens témoignent de leur méthode de construction. Les Rapa Nui creusaient d'abord une tranchée ovale, de 10 à 30 cm de profondeur, laissant place à une entrée unique. Puis ils enterraient en partie dans le sol d'imposantes dalles de pierre taillées. Des orifices, percés à même la pierre, permettaient de fixer une charpente réalisée avec des branches et des cordes. L'ensemble était surmonté d'un toit de chaume et d'herbe. Enfin, l'entrée de la maison était couronnée d'une imposante terrasse semi-circulaire composée d'énormes galets arrondis. Au total, l'île compte plus d'un millier de vestiges de ce type qui ont abrité plusieurs générations. D'après les légendes Rapa Nui, ces maisons aux fondations de pierre étaient réservées aux élites et à leurs familles. Les arepaenga que vous voyez sont presque toujours situés près de la côte et à proximité des sites cérémoniels. De toute évidence, elles appartiennent aux personnes de rang supérieur. Le village de Te Peu possède également un autre type de structure, beaucoup plus imposante, le Are Nui, que l'on peut traduire par « grande maison ». La plus grande structure d'habitation est le Are Nui. C'est une très grande structure qui est utilisée pour les grandes réunions, pour les rassemblements. Le arepaenga moyen mesure entre 10 et 15 mètres, mais certains font 40 à 50 mètres. Ce qui fait une grande différence dans la taille, mais aussi dans les ressources nécessaires. On peut voir que certains de ces are nui ont plutôt des blocs de plus de 3 mètres, alors que les arepaenga sont fabriqués à partir de blocs plus petits. Quelles que soient leurs dimensions, toutes les pierres des fondations sont taillées dans du basalte. Une roche volcanique particulièrement dure à travailler, mais qui possède l'avantage d'être omniprésente sur l'île. Pour extraire le basalte et construire leur maison, les Rapa Nui ont ouvert plus de 300 carrières, comme celle-ci, située au nord de l'île. Toutes les roches ici présentes ont été formées à partir de coulées volcaniques. On remarque deux principales formes de basalte qui ont été façonnées par la vitesse d'écoulement et le temps de refroidissement de la lave. Ça, c'est un basalte à grains grossiers qui se forme au moment où la lave bouge encore très vite. On voit beaucoup de trous d'où les gaz et les particules jaillissent. Mais si la lave se déplace très lentement, les gaz et les particules ne peuvent plus s'échapper et elles restent très solides. Ça, c'est parfait pour faire des outils. Et ça, c'est parfait comme pierre de construction.
C'est la différence entre la pierre à gros grains et la pierre à grains fins. Pour construire les fondations des habitations, les bâtisseurs Rapa Nui ont choisi le basalte à grains grossiers qui possède l'avantage d'être à la fois solide et facile à tailler. Grâce aux témoignages des explorateurs européens et en étudiant attentivement la carrière, les archéologues ont pu identifier les techniques très ingénieuses utilisées par les tailleurs Rapa Nui pour extraire la roche. Nous avons découvert trois techniques dont l'utilisation a été avérée ou supposée. La première vient de l'expédition norvégienne. Ils sont partis de l'idée que le feu était utilisé pour briser la pierre. Par exemple, on peut allumer un feu pour obtenir des braises ardentes d'un côté, ou bien directement sur le dessus de la pierre. On laisse ça chauffer, on laisse tous ces foyers devenir très chauds. Et puis, à la dernière seconde, quand le feu est sur le point de s'éteindre, on verse de l'eau dessus et ça crée tout un tas de fissures thermiques. De ces fissures, on peut extraire différentes pierres et tailler à partir de là. En plus de l'usage du feu, les scientifiques ont identifié deux autres techniques permettant d'extraire des blocs rocheux. La première consiste à céder des fissures naturelles formées par l'action du vent et de la pluie sur la pierre. Pour fendre la roche, les Rapa Nui plaçaient des burins dans ces fissures naturelles, puis ils les frappaient au moyen de toki, des outils taillés dans du basalte, de manière à détacher des blocs rocheux un à un. Pour extraire des dalles plus imposantes, ils pouvaient également en dessiner eux-mêmes les contours. Ils creusaient alors de fines entailles, alignées dans la roche tous les 10 cm. Puis ils plaçaient des coins et les frappaient simultanément afin de décrocher des blocs de plusieurs tonnes, mesurant jusqu'à 3 mètres de long. Quelle que soit la technique employée, l'extraction faisait l'objet d'un excellent savoir-faire, forcément confié à des spécialistes. Les maisons, les Harepaenga et toutes les habitations de l'île ont été réalisées par des spécialistes. La société en général était hyper spécialisée. Donc ceux qui construisaient les maisons étaient les professionnels. C'était leur métier et ils y consacraient leur vie. Je pense honnêtement que c'était des géologues. Ils faisaient probablement venir le maître qui inspectait, vérifiait de son œil acéré et disait « C'est la pierre parfaite pour ça ». C'est pourquoi cette île, pour moi, c'est une histoire de culture et une histoire de géologie. Et si vous comprenez la géologie, vous comprendrez la culture. Une fois les blocs extraits de la roche, ils étaient taillés directement dans la carrière ou bien sur le site de construction. Les dalles mesuraient en moyenne 3 mètres de long et pesaient jusqu'à 10 tonnes. Le mystère subsiste encore sur la manière dont les Rapa Nui déplaçaient ces blocs colossaux. Les Rapa Nui sont étroitement connectés à leurs origines du Pacifique, à leur passé polynésien. Toutes les pratiques héritées des autres îles pour déplacer la pierre ont probablement été utilisées ici. Ils se servaient certainement de harnais, de cordes et de rondins, tout ce qui pouvait leur servir à déplacer leur bateau. Pour construire les fondations de leur maison d'élite, les Rapa Nui maîtrisaient l'art de l'extraction, de la taille et du transport de la pierre. Mais où ces bâtisseurs trouvaient-ils le bois et les végétaux nécessaires à la construction des toits? Les paysages actuels, au sol dépourvu de forêts, semblent avoir peu de ressources à offrir. Et pourtant, certains indices permettent de reconstituer l'environnement et les ressources dont disposaient les bâtisseurs Rapa Nui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments qui prouvent que l'île était très boisée. Dans des vestiges de fours, on a des preuves qu'ils utilisaient du charbon. On a d'autres traces dans des endroits escarpés où l'on peut voir des fossiles de racines de palmiers. Mais il est difficile d'estimer la quantité d'armes. Selon certains archéologues, l'île possédait une forêt primaire composée de plusieurs millions d'arbres, dominée par des palmiers de différentes espèces. Puis le déboisement a commencé progressivement au début du premier millénaire, après l'arrivée des Rapa Nui sur l'île.
jusqu'à ce que la forêt disparaisse définitivement au cours du XVIIe siècle. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette déforestation massive. Les Rapa Nui avaient d'abord besoin d'espace pour cultiver leurs champs. La ressource en bois était également indispensable pour bâtir les toits et probablement déplacer les blocs de pierre nécessaires à la construction des fondations des maisons d'élite. Mais ces usages ne peuvent expliquer à eux seuls la disparition des arbres. On ne peut pas rejeter toute la responsabilité sur les hommes. Parce qu'il y a aussi les phénomènes naturels, les pluies excessives, les périodes de sécheresse, les courants El Niño ou La Niña. Tout ça forme un ensemble que nous devons continuer à étudier. Des modifications du climat et des sécheresses répétées auraient ainsi pu accélérer le déboisement de l'île. Si le bois est venu à manquer aux bâtisseurs Rapa Nui, l'eau et l'alimentation n'ont jamais été un problème. Les cratères des volcans de l'île cachent encore aujourd'hui de grands lacs d'eau douce. Et les rivières envahissent certaines vallées lors de fortes pluies. L'eau a toujours été présente partout sur l'île. Les vestiges des champs cultivés par les Rapa Nui ne révèlent pourtant aucune trace d'irrigation. Mais les nombreuses pierres qui jonchent les terres témoignent d'une technique tout aussi originale qu'ingénieuse. Le paillage lithique. Ces pierres de basalte noir ont plusieurs fonctions. Elles protègent les cultures des vents forts, mais surtout, elles sont très poreuses et captent les eaux de pluie et l'humidité de la rosée du matin, puis les redistribuent progressivement au cours de la journée. Autre avantage, ces pierres absorbent les rayons du soleil. La chaleur accumulée dans la journée est ensuite restituée dans les sols au cours de la nuit. Les Rapa Nui disposaient ainsi ces roches de basalte, soit dans les champs à même la terre, soit pour former de petits jardins circulaires appelés manavai. Dans les deux cas, la pierre réduit les écarts de température et irrigue les plantes de manière totalement autonome. Très efficace, cette technique permet de cultiver des patates douces, du taro ou encore des bananes. Grâce à ces aménagements, les Rapa Nui n'avaient pas besoin d'apports extérieurs d'eau pour entretenir leurs plantations. Pourtant, au centre de l'île, d'étranges vestiges laissent supposer que les Rapa Nui maîtrisaient la gestion de l'eau. La vallée de Vaipu prend naissance à la sortie du cratère du volcan Rano Aroy. Elle est asséchée la majeure partie de l'année. Lors de pluies intenses, le lac du cratère alimente un mince cours d'eau qui sillonne cette vallée étroite, avant de disparaître en quelques heures. En 2008, l'équipe de Burkhard Vort découvre l'existence d'un bassin au pied de la vallée. Autrefois, une cascade permanente se déversait dans ce bassin, initialement formé par la force du courant. Mais au cours des fouilles, les archéologues réalisent que cette cuvette a en réalité été aménagée par les Rapa Nui. Le bassin est construit directement dans le lit de la rivière. Il est formé de très grandes dalles, de dalles bien faites. C'est un très beau bassin et il devait être vraiment exceptionnel. Donc, ce bassin sous la cascade est probablement la structure ou l'installation la plus importante du site lui-même, car c'est à partir de là qu'il commence à contrôler le parcours de l'eau. Les fouilles ont permis de révéler le plus grand réseau hydraulique Rapa Nui découvert à ce jour sur l'île. Ici, le parcours de l'eau était parfaitement maîtrisé. L'eau partait du premier bassin, puis circulait à travers deux canaux principaux et un canal secondaire qui alimentait sept bassins artificiels de taille plus modeste. L'ensemble était entouré de terrasses composées de dalles.
les archéologues s'interrogent sur la fonction de ce complexe hydraulique. Le site d'Avarangaouka a très clairement un caractère sacré. Et nous avons plusieurs preuves de tout cela. D'abord, il est enfermé dans une vallée étroite. C'est un endroit absolument non propice. Il n'y a pas de surface nécessaire pour l'agriculture ou pour de l'habitation. C'est une première chose. Donc c'est un site, entre guillemets, un peu non utilitaire. Il est marqué par d'énormes dallages. En Polynésie, partout en Polynésie, les dallages indiquent toujours des surfaces sacrées, des surfaces rituellement importantes. Troisièmement, il y a le jeu avec l'eau. Il y a des tout petits canaux et des petits bassins avec des gravures au fond de ces bassins, des gravures rupestres. Ça aussi, ce ne sont pas des choses anodines. Tout ça mis ensemble donne clairement, dans le contexte polynésien, un caractère sacré. Lorsque nous avons enlevé le revêtement, nous avons trouvé une cachette très intéressante. Une sorte de dépôt sacrificiel avec des objets qui étaient dissimulés pour que personne n'y touche. Utilisés régulièrement pendant plus de deux siècles, ces bassins auraient pu servir à soulager les douleurs lors de cérémonies de tatouage, ou bien encore être utilisés par les femmes pour accoucher, car pour les Rapa Nui, l'eau était intimement liée à la fertilité. Quel qu'en soit son usage, les archéologues ont la conviction que cette installation hydraulique était liée à la pratique de rituels. Dotés d'un savoir-faire unique, les bâtisseurs Rapa Nui ont réussi l'exploit de s'installer durablement sur cette île perdue au milieu du Pacifique. Les statues monumentales sont aujourd'hui les plus impressionnants emblèmes de cette civilisation unique au monde. Après tous les efforts déployés pour les extraire, les sculpter et les transporter, on pourrait penser que ces statues avaient été érigées pour veiller sur l'île pour l'éternité. Et pourtant... Nous avons, nous, l'idée qu'un patrimoine se conserve et se maintient. Il est très clair qu'ici à Lilleback, ce n'était pas du tout le propos, même pour les statues. Tout est constamment démonté, reconstruit et recyclé. Dans les quelques monuments qui ont été fouillés et où on a pu établir une chronologie, on se rend compte qu'un monument a une espérance de vie de maximum un siècle et sans doute nettement moins, peut-être même un demi-siècle. Au fil des générations, les Moai ont tous été mis à terre. En dehors des statues restaurées, qui ont été redressées sur certains autels, les colosses gisent sur le sol, à côté de leur haou. 80% des statues de l'île sont en effet couchées sur le ventre. La tradition orale dit que les statues sont tombées lors de conflits, mais la plupart d'entre elles ont le visage intact, devant la plateforme sur laquelle elles se tenaient debout. Elles sont simplement fissurées en deux morceaux en assez bon état. C'est parce qu'elles ont été couchées que le tuf n'a pu supporter son propre poids par porte-à-faux et par flexion. Mais si c'était à cause d'une chute, une fracture ne conserve pas une connexion, les morceaux s'éparpillent légèrement, au minimum. Ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs. Les nez sont d'ailleurs intacts, or c'est la première chose qui touche le sol. La plupart des statues des Aou ont donc soigneusement été mises au sol, certainement en utilisant la même méthode que pour les redresser, avec des leviers de bois et des amas de pierre. Une fois à terre, elles étaient couchées en équilibre sur leur tête. Avec le temps, la plupart d'entre elles se sont cassées en deux sous l'effet de leur propre poids, le plus souvent au niveau du cou. Dès le milieu du 19e siècle, tous les Moai de l'île étaient déjà couchés au sol. Qu'est-ce qui a donc pu pousser les Rapa Nui à descendre ces statues sacrées ? Là encore, les fouilles archéologiques permettent d'apporter des réponses. Dans les années 1950, un archéologue américain, William Molloy, a exploré Lahu Vinapu, au sud de l'île.
C'est une fouille très intéressante parce que Mulloy n'a travaillé que sur la moitié du site. Il a découvert en dessous de toute cette caillasse qui donne l'impression de ruine, il a découvert en réalité le monument intact. On voit toute la terrasse de galets qui se prolonge en une aile. On voit tous les vestiges du podium et les statues couchées devant. Et l'autre moitié qu'il n'a pas touchée nous montre l'aspect que tous ces monuments ont aujourd'hui sur l'île et qui donne une impression de ruine. Ce n'est pas une ruine en réalité, on voit très bien ça avec l'autre moitié, c'est en réalité un système de fermeture. Lorsque ces gens ont déposé les statues au sol, ils ont ajouté des centaines et des centaines de galets par-dessus pour fermer tous ces monuments. Et c'est un site très exemplatif puisqu'on a une moitié dégagée, nettoyée en quelque sorte, et une moitié telle que les Pascouans ont voulu le sceller définitivement. Une fois les Moai à terre, les Rapa Nui ont donc recouvert les autels d'une couche de condamnation. Ces amas de pierres semblables à des ruines sont visibles sur de nombreux haous de l'île. Sur tous les sites explorés, les archéologues ont également découvert des caveaux funéraires, directement sous les statues ou bien sous les monticules de pierre qui recouvrent les haous. En dessous, il y a encore aujourd'hui des caveaux funéraires qui contiennent des ossements humains. Voilà ce que ça semble être. Un lieu de sépulture qui était tapou ou sacré, un lieu que les gens ne voulaient pas déranger. Au fil du temps, les Rapa Nui ont abandonné le culte qu'ils vouaient à leurs ancêtres. Les archéologues ignorent encore à quel moment précis cette transition a eu lieu. Seule certitude, lorsque les Européens découvrent le volcan Ranuraraku en 1868, il n'est déjà plus exploité par les Rapa Nui. À l'intérieur de la carrière, ils découvrent alors des centaines d'outils au sol, et les flancs du volcan sont ornés de statues couchées et redressées. Pendant longtemps, les scientifiques ont donc pensé que le site avait été abandonné du jour au lendemain, et que les statues avaient été laissées sur place alors qu'elles étaient en cours de transport. Mais il y a quelques années, des fouilles ont révélé que les statues ici présentes ne sont pas tout à fait les mêmes que sur le reste de l'île. Lorsque l'on observe ces Moai, ce qui dépasse du sol, ça ne représente pas plus d'un quart du total de la statue. Les plus grands Moai, de près de 15 mètres, ont 3, 4 ou 5 mètres que l'on peut observer. Mais sous terre, il peut y avoir une dizaine de mètres. Elles sont démesurément grandes. Elles n'ont aucun rapport de taille avec ce qui n'a jamais été transporté sur l'île. Elles sont quasiment intransportables, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup trop grandes. Et elles sont surtout enfoncées aux deux tiers dans le sol. Pour certains archéologues, les statues qui se trouvent sur les flancs ont donc été placées volontairement ici. Les parois de la carrière contiennent quant à elles des dizaines d'ébauches de statues, dont la plupart sont extrêmement rapprochées. Si on va en détacher une, on devra abîmer la suivante pour avoir la place pour aller creuser le tuf, pour aller en dessous, pour détacher le bloc. Trop proches pour être détachées sans abîmer les statues voisines, ces ébauches n'auraient donc pas été sculptées ici par hasard. Elles sont systématiquement en face de ces anciens ateliers d'extraction. Donc il semble bien que l'idée est de transformer ce volcan en un monument, mais ce nouveau monument permet de sceller toute possibilité d'exploitation du tuf. Et j'ai personnellement appelé ça le grand tabou. On a mis un tabou sur ce volcan. Ce volcan a été pendant des siècles très important parce qu'il a permis d'extraire les figures des ancêtres dispersées partout sur l'île. C'est une notion fondamentale. Des chemins cérémoniels y conduisaient avec des statues debout le long. Et puis lorsqu'on n'a plus besoin d'extraire tout ça parce qu'on ferme définitivement les monuments, ce volcan reste extrêmement important, donc on le transforme en monument tout en empêchant toute nouvelle exploitation du tuf. En positionnant ces statues sur ces pentes et en empêchant toute nouvelle extraction de la pierre, les Rapa Nui auraient scellé ce site sacré pour l'éternité et ainsi mis un terme au culte des Moai. Manque de ressources, rencontre avec les Européens, changement des traditions, plusieurs causes peuvent expliquer le déclin des statues. En près de 600 ans, les Rapa Nui ont réussi à transformer une île isolée au milieu du Pacifique en un sanctuaire mégalithique sans équivalent.
Ce peuple de bâtisseurs a développé une tradition de sculpture et d'architecture monumentale, créant un paysage unique qui fascine encore aujourd'hui le monde entier. Nous ne devons pas les considérer comme un peuple préhistorique. Ce sont des experts, ce sont des géologues, mais d'un autre temps. C'était les maîtres de la pierre. La société Rapa Nui, comme de nombreuses autres sociétés polynésiennes, était une société qui a opté pour l'hyperspécialisation. C'était de véritables experts. Au cours du 19e siècle, l'épuisement des ressources, l'esclavagisme et les épidémies déciment le peuple Rapa Nui. Peu à peu, les traditions et la mémoire de l'île se perdent, plongeant dans l'oubli une grande partie de l'histoire de cette civilisation de bâtisseurs. Depuis plus d'un siècle, les archéologues tentent de faire parler les pierres et de faire revivre cette société oubliée qui émerveille autant qu'elle fascine. La culture Rapa Nui nous enseigne ce que l'homme peut faire avec peu de ressources. L'être humain peut créer des choses dont la beauté émerveille le monde entier. Mais pour moi, c'est surtout parce qu'elles ont été réalisées avec peu de ressources. Je pense que c'est ça, la magie de la culture Rapa Nui. Il y a encore tellement de questions en suspens, et il y a maintenant de nouvelles questions auxquelles il nous faut répondre. Je pense qu'il y aura encore des décennies ou des siècles de recherche sur cette île, et à juste titre. Près de trois siècles après l'édification de ces statues et de ces constructions mégalithiques, l'île de Pâques et la civilisation Rapa Nui recèlent toujours de nombreux mystères. Aujourd'hui encore, archéologues, historiens et géologues continuent d'étudier ce patrimoine architectural unique au monde. Ce témoin, sans nul autre pareil, du savoir-faire des bâtisseurs Rapa Nui.